Salut à tous, ici Skrillex et bienvenue dans ce 13e épisode de Let's Play sur Chroma Squad. Alors, nous avons terminé les 3 premières saisons de Fruit Squad, l'équipe très fruitée. Et nous allons commencer donc la saison 4 sur les chapeaux de roue. Mais d'abord, on va aller voir au niveau studio ce qu'on peut acheter. On peut rien acheter de plus pour l'instant. Ah si, on a ici le meilleur studio. Studio de luxe, extrêmement beau, débloque des améliorations de niveau supérieur. Eh bien, on va l'acheter. Ok, on a un plus beau studio. C'est parfait. Alors, au niveau fabrication, est-ce que j'ai des recyclages à faire? Non, je n'ai pas de recyclage à faire. J'ai des... Alors, je réfléchis. On peut aller voir les acteurs, leurs nouvelles compétences de niveau 4. Bête gardienne. Les alliés distants d'un maximum de 2 cases gagnent 30 en défense pendant 3 tours. Commence le temps de récupération, ok, ou cri de courage. Les alliés distants d'un maximum de 3 cases gagnent 30% d'attaque pendant 3 tours et récupèrent 30% de leur santé. Un petit soin et en plus un buff d'attaque. Je pense que je vais prendre celui-là plutôt que de 30% de défense. Enfin, 30 points de défense. 30 points de défense, c'est bien aussi, mais je préfère le soin et les dégâts. Alors ici, on va voir d'abord le soigneur. Ami guéri, un allié distant d'un maximum de 4 cases est soigné de tous les effets négatifs et récupère 15% de ses PV. Ouais. Donc c'est un dispel et un soin. Ouais. Bon, fan club, gagnez un point d'audience pour chaque PV que vous soignez. Intéressant. Et donc c'est un actif et ou de un passif ici. Vous infligez plus 70% de dégâts avec les arcs. Non, on va prendre le fan club, c'est très bien le fan club. Ok, alors ici il y en a deux. Soit invention cool. Donnez 40, plus 40 de défense pendant 3 tours à une cible alliée, distante d'un maximum de 4 cases de vous, soignez 50% des PV de la cible. Un soin et en plus de la défense, c'est pas mal. Et plus 15 en régénération de compétences passives, non, on va invention cool, c'est très bien. Un soin plus de la défense, c'est 40. Bon, c'est pas le plus 30 à tous les alliés à 2 cases, c'est un seul allié à 3 cases, mais ça sera plus qu'assez. Alors ici, 50% de chance de toucher sur tous les ennemis adjacents. Quand vous attaquez... Ah d'accord, ça, une chance sur deux que je touche tout le monde. Quand je fais une attaque normale. Ouais. Parcourez jusqu'à 5 cases en ligne droite et infligez 70% de dégâts aux ennemis sur votre chemin. Les deux sont bien. Une chance sur deux que je touche tous ceux qui sont à côté de moi. Donc qui reviendraient plus ou moins à faire un coup de pied circulaire automatique. Ou le dash qui permet de taper sur tout le monde en même temps. Non, on va garder le coup de pied circulaire passif. Alors ici, invisibilité, des ennemis vous ignorent, vous gagnez plus 100% en attaque pour 3 tours et soignez 20% de vos PV. Cet effet s'arrête si vous infligez des dégâts, d'accord? Réalisez une contre à chaque fois que vous esquivez une attaque. C'est sympa, mais ça voudrait dire que je dois retirer tout mon équipement contre pour mettre en équipement esquive. Ce qui est pas mal, hein, parce que là, l'esquive, c'est de l'esquive plus du contre. Mais la visibilité, c'est bien aussi. Ok, donc là, on a vu les compétences. En boutique, il y a un nouveau casque ici qui coûte 975. Et qui fait plaisir à beaucoup de monde. Alors ici, c'est la plus haute augmentation. Non, ce serait pour elle la plus haute augmentation. Et puis on va l'acheter. Et je n'ai plus assez pour le deuxième.
Ok, eh bien, voilà, on va commencer à faire le premier épisode de la saison 4. On est parti. Un nouveau départ. Gaga se fait désormais appeler Lord Gaga, un des généraux de l'univers. Sa mission est de conquérir la Terre. Seuls les Fruit Squad peuvent l'arrêter. Mais comment ? Alors, en trois parties, donc il y a un combat de mecha. Alors, première partie, réaliser une attaque en équipe avec trois membres. Ça va, gardez tous vos héros debout, ça va être un peu plus chaud. Partie 2, vaincre 10 ennemis, vaincre un boss avec un coup de grâce. Ok, et ensuite, vaincre un boss avec une frappe finale et défense. Qu'est-ce que défense? Je ne sais pas. Tant pis, mais on fera avec, hein. Cerebro, quand j'ai détruit le booster d'audience de Lord Gaga, il y a cette pièce qui en est tombée. Comme tu as déjà réparé le booster et inversé son signal, est-ce que ça pourrait servir quand même? Voyons. Cerebro analyse la pièce brillante pendant un court instant. C'est un matériau alien, un élément rare sur Terre. Il nous sera sans doute utile plus tard. Bonne nouvelle donc. Mais j'ai toujours du mal à croire que tout ça nous arrive. Ouais, Framboise, une machine qui parle, des matériaux aliens, des monstres qui envahissent la Terre. Mais ça fait du bien de te voir dans ton état normal, Fraise. Cerebro, nous sommes prêts à combattre Lord Gaga. Enfin, je crois. D'abord, il vous faut ça. Un vrai téléporteur qui peut vous amener n'importe où en ville. Attention, vous pourriez avoir une légère nausée tant que vos corps ne seront pas habitués. Dépêchez-vous maintenant. Un vrai monstre menace un groupe d'humains. Il a été repéré près du chantier de construction. Un chantier ? Quel cliché ! Je comprends pourquoi toutes les séries tournent sur les mêmes lieux. Alors, on utilise... Excusez-moi, j'ai oublié de faire la voix. Alors, on utilise la téléportation. On doit carrément l'essayer, oui. Alors, c'est parti. Tous au chantier. Oh, le joli effet arc-en-ciel. Un peu plus tôt dans la journée. Bonjour, habitants de la Terre. Je m'appelle Punky Trouille. Je suis venu semer le chaos et me nourrir de vos regards apeurés et rires démoniaques. Il me faut juste quelques victimes peu méfiantes. Le Punky Trouille se mit alors à traquer sa proie. Il captura des innocents dans les rues et disparut de la circulation. Plus tard dans la journée. J'ai mal à la tête. Est-ce que les pharmacies vendent des pilules contre le mal de téléportation? Ah, bon, où sont... Nous avons de la compagnie, Pomme! Écartez-vous, mauviette! Vous n'irez pas dans les égouts pour secourir les autres humains! Voilà qui répond à ma question incomplète. N'oubliez pas qu'on a toujours besoin du public pour affaiblir le portail de Lord Gaga. Battons donc quelques vrais monstres pour la caméra. Ok.
Alors, il y a un nouvel ennemi, une souris. Rongeur assassin avec 120 PV, ok. 120 PV, 120 PV, 120 PV. Ils ont tous 120 PV. Eh bien, on y va. On va commencer par le casse-noiseur. Comme ça, on fera... C'est parti, le casse-noiseur, voilà. Très bien. Et ici, voilà. Ah oui, il fait mal. Et le soigneur qui soigne, forcément. Très bien. On va penser à taper le... Alors, je réfléchis. D'abord le soigneur, peut-être. Hop. Et ici, on vient là. Et on frappe. Voilà, le soigneur. Toi, tu viens là, hop. Toi, tu viens ici, coop. Toi, tu viens là. Voilà, très bien. Ici, eh bien, il n'y a plus qu'à faire... Tu viens jusque là, coop. Et on frappe à deux. Voilà, très bien. Et on a gagné. On peut vraiment le faire. On fêtera ça plus tard. Vite, tous aux égouts. Les victimes de Punky Trouille ont été emmenées dans son repère et enfermées dans une cage citrouille. Humain, bienvenue dans mon repère. N'est-ce pas un bel endroit pour vivre? Ou... pour mourir? Qu'est-ce que c'est? Une sorte de flash mob? C'est presque trop drôle. Ouah, quelle odeur! Je me demande pourquoi ce monstre a choisi cet endroit. Attendez ici, je détecte des intrus. Nous devons trouver les gens dont Cérébro nous a parlé. Et vite! Regardez, je crois qu'il y a des gens en bas. Nous sommes là pour vous sauver. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se... Fruit Squad, attention! Tiens, tiens! On dirait que nous avons de nouveaux jouets pour nos petits jeux! Quoi que tu sois, on n'est pas venu pour jouer à des jeux. On est là pour sauver ces gens. J'ai changé d'avis. Vous m'ennuyez. Je m'appelle Punky Trouille et voici mon petit cadeau pour vous. Prenez ça. C'est tout? Moi qui croyais avoir de vrais adversaires. Quelle blague! Tu penses aller où comme ça? On n'a pas encore combattu! On ne sauvera pas la planète en restant couché à terre! Debout tout le monde! Au combat!
Tu as raison, Fraise. Levez-vous et battez-vous, framboise et citron. Par le pouvoir de l'amitié, à nous de jouer, Fruit Squad. Salade de fruits, joli joli. Vêtements faits main. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils sont trop nombreux! Mon gang, venez vous amuser! Alors, des quoi ça? Ouf! Alors, vaincre 10 ennemis et vaincre un boss avec un coup de grâce. Ok. Donc, première chose à faire, c'est... Alors, avec le jaune, tu viens jusque là. Avec le vert, tu viens jusque là. Zut, c'est déjà trop loin pour... C'est pas grave, avec le rouge, eh bien, tu viens jusque là. Avec le rose, tu viens là. Alors, c'est parti. On tape sur celui-là, le rouge. Bon, ici, le noir, eh bien... On va pas... Voilà, et le rouge, il tape sur celui-là. Ok. Et le vert. Voilà. Bombe. Très bien. Enragé. Ok, alors. Le noir, tu peux venir ici. Coup de pied circulaire. Parfait. Le rose. Tu recules et tu te fais un petit soignoken. Le jaune, tu viens jusque là et coop. Le vert, tu viens et tu frappes avec le jaune. Voilà. Et le rouge, le rouge, il va venir jusque là et il va frapper. Ah, il fait pas beaucoup de dégâts, le rouge. C'est bon. La souris, ok, elle a pas fait de mal. Serviteur! Ok, donc le jaune, coop. Ici, le noir, il y a une chance sur deux qu'il fasse des dégâts à tout le monde. Raté. Le rouge. Eh bien, le rouge, il va taper le casse-noiseur qui est là. Il fait pas beaucoup de dégâts, le rouge. Alors, ici, le vert, eh bien, voilà, on tape. Oh, la souris a esquivé. Bon, eh bien, si c'est comme ça, la souris. Voilà. Aïe aïe aïe. Ok, bon, le rouge est à terre. Et en plus, il nous l'amène loin. Donc, le vert, tu viens là. Le jaune, tu viens là. Vous frappez. Ah, j'ai oublié de faire le dommage. Ok, tir multiple sur tout le monde. C'est pas assez. Le rose. Tu viens ici et... Soin de groupe. Cercle de l'amitié. Ok, et... Un petit coup de hache sur le boss. Voilà.
Ah, le verre va bientôt tomber. Ok, bon, le verre est tombé, c'est pas grave. Alors, le noir. Le noir, il peut pas faire grand-chose, donc... Toi, ici, tu vas ressusciter le verre, 5e phoenix, ok. Le vert, eh bien, tu vas bloquer, comme ça, le noir peut venir jusqu'ici et faire un coup de pied circulaire. Ok. Le jaune, tu viens là et à deux, vous attaquez. Il y a un contre. Le jaune est mal. Ça va. Ça va. Alors, le jaune est très mal. Enfin, ils sont tous très mal. Et je vais plutôt soigner le noir. Zut, c'est trop loin. Voilà, un petit soigne-ken. Toi ici, on va te rendre confus, pose extrême. Et on dégage. Et le noir va juste taper le boss. Alors, le vert va pouvoir soigner. Mais soigner qui? Zut. Il va se soigner lui-même. Choix de cible. Ok. Un peu de soin et en même temps de la défense. Oh. C'est bon, il n'y a pas des serviteurs. Alors le jaune. Eh bien, invisibilité. Tu te soignes un peu et en plus on ne t'attaque plus. Toi tu peux venir là et tu frappes tout le monde. Coup de pied circulaire. Voilà. Toi, tu viens derrière. Tiens, multiple. Zut, il n'y a que le boss qui est touché. Et le soigneur vient ici. Et va soigner. Zut. Et va soigner au prochain tour. Aïe, aïe, aïe. Le rose va mourir. Non, non, c'est bon. S'en prend un peu, mais c'est pas grave, il y avait son armure. Et enragé, ok, il se buff. Donc ici, avec le jaune, on vient frapper l'écureuil. Très bien. Avec le noir, on vient frapper le canard ici. Ok. Avec le vert qui a... ouais, mi-vie. On lui fait un peu de dégâts. Et le rose vient jusqu'ici et vient soigner les deux. Ok. Aïe. Ok. Alors, on peut essayer de tuer le canard, mais je vais le faire avec les dagues. Très bien. Toi ici, ressuscite directement le rouge. Le noir, tu vas venir, mais d'abord on va ramener le vert à côté qui va coopérer. Voilà. Du courage, on va te mettre ici au milieu et on va soigner un peu.
Voilà. Bon, maintenant, faut ramener tout le monde. Ça, ce sera le plus dur. Donc, si je me ramène là avec le rouge, en groupe. Très bien. Ah zut, maintenant c'est en finish it. Donc on va le rendre confus. On va soigner. On va soigner ben, le vert, hein, c'est celui qui a le moins de vie. Voilà, très bien. Toi ici tu peux taper un peu. Très bien. On vient à la coopération. Et toi tu peux même venir ici comme ça. Esquive, c'est très bien. Ah tu vas trop loin, tu vas trop loin. Alors le rouge. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 6. Je me mets là. Je peux faire l'assaut sur le boss. Et coop. Le rose. Tu peux venir là. Le vert. Tu peux venir là-bas. Hop, le vert. Coop. Le rose. Voilà. Coop. Le jaune. Voilà. Coop. Et enfin, j'ai réussi. Méga pêche. Mangez au moins 5 fruits et légumes par jour, s'il vous plaît. Ah, ben lui, il se les a bien mangés, les fruits et légumes. Surtout les fruits. Alors, vaincre des ennemis, c'est bon. Vaincre un boss avec un coup de grâce, c'est bon. Parfait. Tu dois être le mouton de Cérébro. Lord Gaga m'a parlé de toi. Alors, trouve-moi à l'extérieur. Dans ma seconde vie. On fait quoi maintenant? Avant, on avait une ville miniature. Comment peut-on combattre un monstre géant et réel? D'abord, nous devons sauver ces gens. Laissez-moi essayer de nous débarrasser de la cage citrouille. Coup de pied circulaire! Oui, ça a marché! Je ne pensais pas que ça marcherait, mais oui, oui, oui. On doit croire qu'en ce qu'on fait, c'est là qu'est la clé de nos pouvoirs. On doit y aller maintenant, mais nous reviendrons vous sauver, rassurez-vous. Et si on imagine que notre smoothie maker est réel et qu'on utilise le téléporteur? Comme quand on s'est transformé. Ben, ça vaut le coup d'essayer. Puissance du smoothie. Alors. Ok, donc je dois faire 3 coups de défense. On va défendre. Voilà, c'est ça. Je dois faire l'action de défendre. Parfait. Bon, attention, action spéciale en cours, mais c'est pas grave. Allez, on est parti. Et on va défendre.
pas parfait, mais c'est pas grave. On continue. Allez, on est parti. Raté, mince. Tant pis. Ok, alors ici, on y va. Un troisième coup, et puis on va défendre. Voilà, comme ça on a fait les trois défenses. Super. Et maintenant on y va et on finit. Voilà, et ici c'est bon. On y va. Ça a marché, j'arrive pas à y croire. Nous sommes revenus vous sauver, comme promis. Vous êtes les premières vraies personnes qu'on a sauvées dans notre aventure. Est-ce que vous allez bien? Comment vous appelez-vous? Nous ne vous oublierons jamais. Je m'appelle Amanda Ford. J'y crois pas que vous existiez vraiment, je suis une très grande fan. Moi, c'est César Ralph. Merci, Fruit Squad. C'est nous qui n'oublierons jamais cette journée. Et moi, c'est Chris Lindsay. Vous nous avez sauvés, merci beaucoup. Et vous, mademoiselle, on ne vous a pas du tout entendu. Excusez-moi, je ne voulais pas faire ma mal élevée. Je suis Tammy. Je crois que je n'oublierai jamais ce jour. J'ai l'impression que c'est un moment très important. Vous allez changer le monde, Fruit Squad. Ouah, cool. Vous êtes cool. Et je suis Pomme, en fait. Heureuse de vous rencontrer, Pomme. Eh, on devrait pas avoir des identités secrètes? Qu'est-ce que tu racontes, Cassis? On ne voit que nous sur la chaîne de télé publique. Est-ce qu'on peut partir d'ici maintenant? Faut vraiment que je prenne un bain. Ok, voilà. Très bien. Et on a fait une petite demi-heure. Alors, personne n'a été blessé, bon côté, un épisode super réaliste, on se régale. Alors, Dodge Kruger approuve cet épisode. J'ai laissé cramer mon repas parce que j'ai regardé Fruit Squad, bien joué moi-même. La saison commence fort, on vous aime Fruit Squad. Ok. On a un petit mail, merci Fruit Squad, de Tammy. Il n'y a pas de mots assez forts pour vous remercier, Fraise et l'équipe, d'avoir pris cette décision. Je savais que vous étiez plus que des stars de la télé, vous avez un truc spécial. Ces gens que vous avez sauvés aujourd'hui, ils s'en souviendront. On s'en souviendra tous. Ce que vous avez fait est important. Merci de nous avoir inspirés à combattre le mal. Tammy Abo. Aucun souci. Allez, Pomme te passe le bonjour. Hein, il a flashé sur toi. Confirmé. Bonjour à toi, Pomme. Et avant, hein. Voilà. Eh bien, voilà, on va arrêter là hein, pour cet épisode de Chroma Squad. Et donc, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas, un like, un commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et partagez également les épisodes et d'autres let's play sur les réseaux sociaux. Sur ce, eh bien, je vous laisse. Portez-vous bien. Bye!